sommes ici aujourd'hui à Ziguinchor pour nous entretenir avec les professionnels des médias et aussi les correspondants de presse de Ziguinchor dans le cadre du projet Informant. Informant, c'est un projet qui vise à former les journalistes sénégalais et surtout africains sur les questions de migration. Donc depuis hier, nous sommes ici pour parler avec les journalistes, pour essayer de les former sur ces questions-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la question de la migration, c'est une question d'actualité, on en parle beaucoup, et puis on pointe surtout du doigt les Africains, mais nous pensons que les journalistes ont une responsabilité quand même aujourd'hui de faire tout pour donner la bonne information sur, en tout cas cette question des migrations. C'est pourquoi depuis hier, nous essayons de leur donner en tout cas des données fiables sur les migrations pour leur dire que ce ne sont pas uniquement les Africains qui font la migration. Il y a beaucoup d'autres peuples européens, en tout cas américains, qui font la migration. Ce ne sont pas donc uniquement les Africains qui font cela. Donc il nous appartient en tant que journaliste de tout faire pour donner en tout cas la bonne information sur ces questions. Ce que nous attendons, c'est très simple, c'est de faire en sorte que les journalistes, en tout cas dans le traitement de ces questions sur la migration, fassent un bon travail. Parce que le travail que nous faisons au quotidien, c'est destiné aussi à l'opinion, c'est destiné au peuple sénégalais, c'est destiné aussi aux Africains. Donc il nous appartient, nous, en tant que journalistes qui avons vraiment un rôle clé dans la société, de toujours donner la bonne information. C'est pourquoi dans le cadre même de cette formation, nous avons rappelé les fondamentaux de ce métier. Le journaliste ne doit pas tout recevoir, en tout cas, comme argent comptant. Nous devons tout, parfois, remettre en cause, vérifier nos sources, en tout cas, faire tout pour que la bonne information soit donnée au peuple. C'est pourquoi, vraiment, nous appelons tous les journalistes à creuser davantage pour, en tout cas, donner la bonne information sur les questions de migration. Et ici, même en Casamance, on nous a dit que Kafountine, par exemple, et Linkin sont des zones de départ. C'est pourquoi pas ne pas faire des reportages très poussés sur ces zones-là, savoir est-ce que ce sont des Casamance, ce sont des gars de Ziguinchor qui partent ou bien sont des étrangers. Donc c'est toujours bien de creuser sur ces informations pour donner en tout cas la bonne information. C'est une formation qui est destinée, certes, aujourd'hui nous sommes à Ziguinchor, mais avant Ziguinchor, il y avait les journalistes de Louga qui en ont bénéficié, des journalistes aussi de Kolda en ont bénéficié, et prochainement, il y a les journalistes de Saint-Louis qui vont en bénéficier. Donc au total, nous visons pratiquement une soixantaine de journalistes qui doivent en bénéficier, et même Dakar aussi, les journalistes de Dakar qui vont en bénéficier. Donc globalement, peut-être ce sont une soixantaine de journalistes qui vont profiter de cette formation. Donc la finalité, en tout cas, c'est vraiment faire en sorte que les journalistes sénégalais puissent en tout cas creuser sur ces questions de migration et toujours donner la bonne information. C'est pourquoi, donc, je vous le rappelle, nous avons fait en sorte que vraiment les journalistes maîtrisent davantage les fondamentaux de ce métier pour ne pas toujours, en tout cas, gober à tout ce qui vient des journalistes étrangers. Parfois aussi, ils ont peut-être des ambitions, des visées que nous ne maîtrisons pas réellement. Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est important de creuser, de faire des reportages sur en tout cas les circuits, en tout cas les flux migratoires, mais aussi il y a un problème ici, les journalistes sénégalais n'ont pas assez de moyens parfois pour faire les voyages parfois en Allemagne, en Espagne ou bien aux États-Unis pour voir ce qu'il en est réellement. Mais nous estimons que les patrons de presse en tout cas doivent aider les journalistes à creuser davantage sur ces questions-là. Pourquoi pas ne pas faire des voyages pour essayer de voir les Sénégalais qui sont établis par exemple en Espagne, les Sénégalais qui sont établis aux États-Unis, comment ils sont installés là-bas, comment ils travaillent là, est-ce qu'ils sont bien installés. Tout ça, c'est des questions qui nous interpellent en tant que journalistes et puis nous devons tout faire pour vraiment donner, comme je voulais dire, la bonne information sur cette question migratoire. Par rapport à cette migration, au plan mondial, il y a pratiquement 280 millions de personnes qui font la migration. Quand on parle de migration, ce n'est pas uniquement la migration irrégulière. On a tendance à pointer du doigt surtout sur l'immigration régulière, mais aussi il y a des demandes d'asile. Il y a aussi des personnes réfugiées. Il y a aussi d'autres personnes qui sont à l'intérieur de leur pays, qui sont déplacées parce qu'il y a des conflits. Hier, on a parlé du cas de la RD Congo, du cas du Soudan, de l'Ukraine. C'est des pays où vraiment il y a aussi des réfugiés. Donc il ne faut pas toujours, en tout cas, mettre l'accent sur l'immigration irrégulière. C'est vrai, c'est important, c'est d'actualité. Mais il y a d'autres formes d'immigration qu'on connaît dans le monde. Et puis les journalistes doivent faire tout pour le faire comprendre aussi aux Sénégalais, aux Africains. Cette formation est venue à son heure, puisque l'immigration clandestine est une question d'actualité, une question qui touche beaucoup de pays. Quand on sait que le Sénégal est un pays où sévit quand même l'immigration clandestine, que beaucoup de jeunes ont perdu la vie en cours de mer, etc.
Ensuite, ça va nous permettre, nous, en tant que journalistes, de mieux cerner la question, mais aussi de prendre en charge la question de l'immigration dans nos traitements.